pas de cadeau entre ces deux équipes, une rencontre pimentée en perspective. C'est bien, dans ce stade, on sent vraiment vibrer la foule autour du terrain. Il y a beaucoup d'espoir sur cette rencontre. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Il va marquer. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Ça, c'est vraiment du bon boulot. À moi. Il reprend le ballon. Il passe le ballon au gardien. Le joueur reste à terre, mais l'arbitre fait signe de continuer. Encore une belle occasion. Il y a du but dans l'air. Oui, il était bien hors jeu. Bien vu l'arbitre assistant. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une occasion de centrer. Ça n'échappe pas au gardien. Michal Ziolako. Tout à l'heure, il a vraiment trois poumons. Michal Ziolako. Degraaf. Michal Ziolako. Ça peut être dangereux. Dégagement. Encore une belle occasion. Bien joué de la part de la défense. C'est un très bon ballon. Tout à l'heure. Degraaf. Encore une occasion de centrer. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. C'est toujours bien d'écarter le jeu au maximum. Il lui faut un espace pour cadrer. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. La balle n'est pas passée. Et un but! Quel magnifique départ! Il marque alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Félicitations! Quel beau spectacle! Quelle communion avec ce public! Franchement, on a bien fait de venir. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Un but d'entrée comme ça, je peux vous dire, ça va calmer les esprits. Hein. C'est sûrement un grand stimulant d'ouvrir la marque à ce moment de la rencontre. Encore une belle occasion. Quelle belle demi-volée! C'est à quelques mètres du poteau droit. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match.
Coutadeur. Bien joué de la part du défenseur. Il peut marquer. Corner sifflé par l'arbitre. Ballon brossé vers le but. Ils ont de l'avance et la possession du ballon. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Dégraffe. Michal Ziolako. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Changement d'aile pour transpercer la défense. Belle passe. Est-ce le but égalisateur? Il a effleuré le poteau gauche. C'est dommage parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Zonvic. Degraff. Michal Ziolako. Bien joué ici. Attention, c'est parti très vite. Il s'infiltre dans la surface adverse. Encore une occasion de centrer. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire? Il est tout près des buts. Trajectoire coupée par le défenseur. Quel culot, bien joué! L'arbitre assistant a levé le drapeau, hors jeu. Il garde les cartes en main et la faute est évidente. Attention les défenseurs, il faut revenir. Nouvelle occasion de centrer. Il prend sa chance. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Il a eu raison de mettre le pivot dans la finition. C'est le geste parfait, c'est ce qu'il va aller faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. ...2-0, c'est vraiment une bonne avance. Alors attaque est vraiment de feu. Elle est bien bonne. Hein. Elle est capable de marquer. Elle va essayer encore d'en marquer pour essayer d'agrandir encore plus le résultat. Maintenant, c'est de savoir si on le fait avant ou après la pause. Pas moyen de passer cette fois. Excellente tête. On est parti pour un drôle de compte. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Dégraffe. Malgré la charge de l'adversaire, il tient debout. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. Va-t-il marquer? Encore une belle occasion. Bien défendu. Il décoche une frappe. Il se défend bien. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête. À moi. Bien vu. Peut-être l'occasion d'un nouveau but. Ballon dévissé. Il doit encore s'appliquer. C'est bien. Il faut oser. Quand il y a des défenses renforcées, il faut frapper de loin.
ballon passé les lignes arrières. Le goal ne parvient pas à bien saisir le ballon. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Chandelle. C'est bien vu. Bien joué le gardien. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison, il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Changement de jeu. Tout à l'heure. Le gardien est en danger. Place maintenant à une touche. Un ballon bien rendu. Tout à l'heure. Michal Zulaco. Encore une occasion de centrer. Très belle combinaison. Et la faute est commise, il y a coup franc évidemment. C'est bien de voir du fair play sur un terrain de football. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Extraordinaire coup de tête. Oui, il fait trembler les filets. Quel joueur en forme aujourd'hui. C'est un vrai régal pour les supporters. Quelle patate il vient de nous mettre. Super bien placé en plus. Ça, on peut pas dire que c'est un pétard mouillé. Écoutez le stade gronder après ce but concédé. Franchement, ça ne plaît pas au public. Seulement un but sépare les deux équipes. Ah, encaisser un but alors qu'on a deux buts d'avance, c'est toujours problématique. Il y a toujours de l'anxiété qui arrive, il y a toujours du doute. Maintenant, il va falloir qu'ils se resserrent les coudes, qu'ils rétablissent leur avantage le plus tôt possible. Bonne action, le ballon est récupéré. Elle est belle cette passe. Dans la surface de réparation. C'est un corner pour eux. C'est un tir brossé. Il tente à nouveau sa chance. C'est extrêmement décevant. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Ils ont laissé décocher son tir, ils l'ont laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Presque 30 minutes écoulées. Il s'infiltre dans la surface adverse. But ! Voilà, l'avantage maintenant devient conséquent. Encore une fois, Christian, la finition est à la hauteur de la préparation. Il faut du talent pour marquer, mais il faut de la classe pour passer. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. Une différence de deux buts, ça peut suffire. Dégraffe. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. C'est bien joué, en profondeur sur le côté. Encore une belle occasion. Le joueur frappe. Le gardien a bien vu que ça passait loin. Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. Bon dégagement. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps.
À moi. Michal Zulaco. Là, il y aura corner. Le ballon est dans les airs. C'était presque dedans. Tire de si loin. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Ah, c'est pas mal joué quand même. Encore une occasion de centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il décoche un tir. Et oui ! Bien sûr que oui ! Et ils ont 3 buts d'avance ! Qu'est-ce qu'ils sont en forme aujourd'hui ! Avec ce dribble et cette belle percussion, il a laissé toute la défense sur place. Et comme dans la finition, c'est plutôt un joueur au pied affûté, il n'a laissé aucune chance au gardien. Encore un but désormais, et il passera en tête du classement des buteurs. Il peut le faire, car il est dans une forme incroyable. Une flopée de buts, le score est de 4 à 1. Ah là, ils sont complètement en train de se battre. Méchant tacle, sanctionné d'un coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Ils ont le contrôle total du match, c'est impressionnant, belle preuve de confiance. Ils ont toujours le ballon, c'est vraiment bien joué. Va-t-il y avoir but ? Et le goal le laisse tomber. C'est la panique totale dans les cages, mais les défenseurs sont venus à la rescousse de leur gardien. Il peut provoquer le gardien. Non, le ballon a été intercepté. C'est bien de jouer dans le couloir. Il fallait intervenir et c'est fait. Du pied, dégagement sûr. Construire quelque chose. C'est bien de la part des défenseurs. Oh, c'est bien vu dans l'axe. Ne pas oublier le placement, il est hors jeu là encore. Encore une belle occasion. Dans la surface de réparation. Ça peut être dangereux. Il va tenter sa chance. Sur la transversale. Le gardien a le jeu en main. Zondic, De Graaf. Il y a trop d'hésitation dans ce jeu. Ils ont le ballon, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter. Pressing super efficace.
Bonne action, le ballon est récupéré. Encore 5 grosses minutes avant la mi-temps. Bonne interception, on peut relancer. Erreur de la défense sur le côté. Une solide défense ici. Ils peuvent construire quelque chose. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Tout à l'heure. Bien joué ici. Bien joué, ça peut faire un contre. Degraaf. Bien défendu, le ballon est récupéré. Degraaf. Tout à l'heure. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Nouvelle occasion de centrer. Tranquille pour le gardien. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Ce contre peut amener très loin. Ils peuvent construire quelque chose. Le portier récupère le ballon. Degraaf. Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs vont donc pouvoir regagner les vestiaires et ces 15 minutes vont leur faire le plus grand bien. Et cette équipe a le jeu avec 20% de ses possibilités. Ils ont des ailiers, ils ne s'en servent pas. À force d'écarter, ils vont bientôt finir par sortir du terrain. Les supporters vont pouvoir discuter du score à la mi-temps, 4-1. C'est reparti et attention à la concentration, il faut être vigilant en sortant des vestiaires. Un petit coup d'œil sur la composition des équipes. L'équipe mène et visiblement l'entraîneur n'a fait aucun changement. Dans la surface, c'est très chaud. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Le danger est écarté. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. À moi. Un ballon repassé en arrière. Il est sorti du jeu. Pas mal sur le plan défensif. Une telle cohésion est assez impressionnante. Ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Nouvelle occasion de centrer. Il lâche une frappe. Oui, 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 oui. Bien joué. L'écart est suffisamment important. Maintenant, il faut faire tourner le ballon. Avec un tel sang-froid, il a dû s'entraîner chez les Esquimaux. Il n'a laissé aucune chance au gardien dans ce face-à-face. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? 4 buts, ce joueur est exceptionnel. Les défenseurs sont perdus. ...5-1, il semble vraiment très fort. Ça c'est le match idéal. J'ai jamais vu une équipe autant torturer ses adversaires. Michel Zionaco. Le ballon subtilisé par l'adversaire.
L'entraîneur apporte quelques améliorations. La balle change de propriétaire. La menace est écartée. À moi. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. La défense a récupéré le ballon. Du pied, dégagement sûr. Il lui faut de l'espace. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. C'est impossible de marquer de la lame d'être fermée. Zandić. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais ils circulent bien, ça peut suffire pour marquer un but. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. On est parti pour un drôle de compte. Il est dans la surface. La défense est vraiment solide. Il cherche le couloir. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Trajectoire coupée par le défenseur. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Encore une occasion de centrer. Le danger est écarté. Degraaf. Bon travail et bonne possession du ballon. Ce contre peut amener très loin. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Bonne action, le ballon est récupéré. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Nouvelle occasion de centrer. Ça, c'est futé en profondeur. Bien défendu. Michal Ziolako. Kolka. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Le contre, c'est une arme redoutable. Belle passe en profondeur. Le hors-jeu est évident. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Ah, personne à la réception, la balle est dégagée en touche. Il lui faut de l'espace. Il frappe directement.
à le prendre dans la surface. Il va marquer. C'est encore au fond des filets. Quel sport club, mes amis. Et déjà que c'est un bon buteur, c'est un petit qui lui fait des cadeaux. Je ne sais pas ce qui arrive au gardien aujourd'hui. Mais j'irai quand même lui demander après le match. Ce joueur est irrésistible aujourd'hui. À chaque fois qu'il arrive devant le gardien, il fait mouche. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Encore une belle occasion. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à se faire. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Il est dans la surface. Il tire. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Avec beaucoup de lucidité, il a glissé le ballon à l'attaquant qui était à la limite du hors-jeu. La passe était encore plus difficile que la finition. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien, on va peut-être voir de belles choses. Bon retournement de situation, il a le ballon. Au second, il me semble bien mené. À moi. Vous jouez le ballon, pas le joueur. Bel exemple de fair play, bravo. C'est vraiment loin. Va-t-il frapper? Le gardien remet de l'ordre. Le gardien, c'est au-dessus, il n'a pas pu contrôler sa frappe. Et malgré son défala, il a quand même raté le cadre de peu. Une solide défense ici. Le ballon est pour l'autre équipe. Ils peuvent construire quelque chose. Facile pour la défense. Oui, il a marqué. Et ce n'est pas le premier but de la partie. Cela tourne véritablement à la démonstration. 3 buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Ils ont toujours le ballon.
Pressing super efficace. Ouh là là, ça peut être fatal. Pour la défense, il s'agit là d'une remise en jeu dangereuse. Premier changement pour cette équipe. Là par contre, je ne sais pas si l'entraîneur le sort pour le protéger et pour être sûr de finir à 11. Directement dans les gants du portier. Dans la surface de réparation. C'est une belle frappe, c'est avant tout une frappe cadrée. Et pour marquer lui dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Superbe passe au-dessus des défenseurs. Bien joué. C'est un bon travail défensif. Encore une belle occasion. Encore une occasion de centrer. Bonne défense, le ballon est écarté de la tête. Ça ne fonctionne pas. Mais il y a bien une position dans le jeu. Pas moyen de passer cette fois. Ne jamais oublier de jouer le ballon par le joueur. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Qui va le tirer ? La défense est solide. C'est une frappe. C'est imprécis, manque de concentration. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. De centrer. Il décoche un tir. Oh non, c'est un but contre son camp. Et j'espère que ce but contre son camp, ça ne va pas lui coûter sa place. Dans la surface, c'est très chaud. À quelques millimètres près, c'était dans la cage. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Nous obtenons une touche dans le camp opposé. Il est dans la surface. L'arbitre insistant à lever le drapeau hors jeu. Oui, très bien joué. Quel beau but. Le gardien n'a rien pu faire. C'est du délire dans le stade. Et Christian, il paraît que toucher du doigt, ça porte bonheur. Là, avec ce but, il n'a pas fait mentir le proverbe. Encore une belle occasion.
Il va prendre sa chance. Bonne maîtrise du goal. Il doit trouver une solution. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Encore une occasion de centrer. Le ballon passe loin du poteau gauche. Et vous avez vu ça, c'est l'action d'école. Le centre parfait, la volée derrière, le corps bien couché. Et ça aurait pu être un but fantastique. Voyons si nous avons constaté un effet sur le terrain. Bien servi en profondeur par son partenaire. Trajectoire coupée par le défenseur. Il est hors jeu, il faut être bien placé sur le terrain. Bon réflexe, bien joué. Seule minute d'arrêt de jeu. Ils peuvent construire quelque chose. C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle. Il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là.